Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Octoling sur Final Fantasy VII Remake. La dernière fois, on avait envahi, infiltré la tour Shinra. On avait essayé de sauver Aerith. On est en train d'essayer de la sauver. Et donc là, on est en train de se rendre tout en haut de la tour. Mais alors, il me semble que D'abord, on doit passer par des salles. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir autant de cartes d'accès? C'est que j'ai de la Shinra. C'est normal. Mais voilà l'ancien soldat. Trouve pas ses excuses à cette occasion. J'ai pas grand chose à voir. Alors, oh, en vrai, j'aime beaucoup l'ambiance des locaux de la Shinra. C'est genre. C'est stylé, hein. Il y a un objectif, mais il doit être en haut. Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité, il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs. Si vous remarquez la moindre anomalie, informez-moi sur le champ. Excusez-moi de vous déranger. Pardon, je vous écoute. Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7. Monsieur, vous devriez vous reposer un peu. Non, je dois finir ça avant la réunion. Le compte rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction. Comment peut-on écraser tout un quartier? Quelle qu'en soit la justification. C'est de la pure folie. Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles. Oui, je le sais bien. Ok, donc on avait une petite cinématique vite fait là, avec un nouveau personnage, un espèce de barbu qui surveille aux caméras. Alors par contre ça me stresse, je vois pas où je dois aller pour l'objectif là. C'est par là, ok. Tout simplement. Ah oui. La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les différents domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. C'est mon gâte de salive. Ça va être super intéressant. En vrai, ça m'intéresse le lore, alors. Alors voilà. Alors, et d'ailleurs, je l'ai vu. Regardez l'easter egg. C'est celui-ci. Bon, ça se voit pas bien. Je peux peut-être essayer de faire le focus. Voilà. Peut-être que vous voyez un petit peu mieux là. Mais bon, en gros, on voit au milieu de la photo, on voit Shinra de. Alors, il vient de où? De FF10. FF10-2, je crois. Ouais, on voit pas très bien parce que c'est très très. Très très lumineux, mais en gros voilà le président. Ah, c'est lui le mec qu'on voyait aux caméras, je crois. C'est un personnage que je connais pas, je vois pas du tout qui c'est. Alors c'est là-bas l'objectif, mais président chinois. Ah oui, d'accord. Messieurs dames, appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra? Non. Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président.
Oh. N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant? Scarlett, je crois que c'est son nom. Aigle de guerre. Rive. Lui, je sais pas qui c'est. Ils ont tous des petits logos, c'est joli. Allez, poursuivons. Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra. Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements. Et là, le professeur Ojo. C'est tellement beau. Professeur Odio. D'accord. Bon, on va pas tous les faire parler, hein, s'il y a des hologrammes pour tout le monde, voilà. Hein. On a compris le principal, je crois. Ici, c'est qui? Rive. La voix, elle me perturbe parce que c'est la voix de Tiki dans Miraculous. Voilà. Ok, je peux partir maintenant. Mais, laissez-moi partir. On est obligé de regarder ça là. Bah, c'est joli, hein. Écoutez. Ah, la Mako. Oui. Oh. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction en 1/10 millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire. Puis nous la convertissons en électricité où nous l'utilisons comme combustible ultra performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et c'est ici au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça! Que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Oh, si je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. C'est là qu'on sent aussi la critique de notre monde qui est faite par les développeurs, hein, parce que voilà, tout ça c'est. Voilà, on se dit, ah ouais, là, c'est Final Fantasy, c'est de la fiction, mais bon, des réacteurs qui pompent de l'énergie et tout, bah, ça se passe aussi sur notre planète. Ouais. Ah, mais. Ça, par contre, ça change pas, hein. Toujours compliqué de manier Cloud. Ouais, 61ème étage. Ok. Trop bien.
Autrefois, sur cette planète, vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Anciens. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Makko. Et ce n'est pas tout. Les Anciens possédaient non seulement la Makko, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, nous autres, de la planète, nous naissons, avec elle nous parlons, et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette terre du destin don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des Anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des Anciens, en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Makko. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Makko inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des Anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Wow, c'était vraiment magnifique, franchement, c'était trop beau. Là on a eu une cinématique, alors vous le voyez peut-être pas parce que je filme avec mon téléphone, mais c'était une vraie cinématique là, c'était pas le moteur du jeu et c'était ultra beau, ultra fluide, oh, c'était magnifique, puis j'adore tellement l'histoire et tout, oh c'était tellement bien, et là il y a Sephiroth, enfin je crois, il y a Sephiroth qui vient d'arriver à la Shinra, d'après ce que je comprends, enfin... C'est vraiment incroyable, hein, franchement. Ce jeu, il est génial. Vous êtes maintenant un maître Shinra. Vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les Kaizen.
C'était vraiment magnifique là, le plan avec Cloud et Sephiroth dos à dos. Oh là là. Ok, des amis chez l'ennemi. Il y a pas mal de cinématiques du coup maintenant. Ça sent la fin, tout ça.
vous mettez du bâton dans les roues de la Shinra. Je veux bien vous aider. On y va? Je peux vous mener jusqu'au 64e. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. C'est tout ce que je peux faire. J'en ai bien peur. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prête-nom. Et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que glacer leur paperasse. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai. Je les aurai. Bon, d'accord. On leur en veut aussi et on va les faire payer. Alors, du calme. Allez, on respire, on respire. Faites voir votre carte d'accès. Voilà. Avec ça, vous pourrez accéder aux installations récréatives du 63e. Et après, on fait comment ? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64e étage. Le mot de passe est... Domino, c'est le meilleur. Mika a trouvé son sauveur. Des mecs comme lui, il y en a pas ailleurs. Juste Domino est celui qui répond. C'est le meilleur. Ce sera lui, notre collaborateur. Vous avez compris? Ok, d'accord. Ouais, c'est plutôt sympa. J'aime bien comment se passent les choses là. Donc ça devait être un, lui, il doit faire partie du Wutai peut-être. Je sais pas trop. Un truc comme ça. Bonjour. Donc toi aussi, t'es gentil là. Si jamais vous deviez rencontrer la moindre difficulté, d'accord. Tu sais quelque chose sur ce fameux collaborateur. Bien sûr que je sais des choses sur lui, mais vous devez comprendre. Par conséquent, ce n'est pas que je ne souhaite pas vous aider, mais... Tu veux de l'argent ou quoi? Si je devais vous aider... Ok, c'est bon, d'accord. C'est beaucoup trop cher. Hein? Donner 10 000 guilds? C'est pour faire quoi, mince, j'ai pas... Bon, franchement, vas-y. Sachez que seule l'élite des employés peut accéder au 64e étage. Peut-être devriez-vous concentrer vos recherches sur les gens très bien habillés. De ce que je peux vous dire, ces personnes seraient actuellement au 63e étage. C'est tout ce que tu dois donner. Comment? Quoi? C'est un gage de ma gratitude. C'est plutôt pas mal, ça. Un pulsateur? Ça sert à quoi? Si ça se trouve, c'est un objet de ouf que je viens d'avoir. Hein. Attendez, parce que j'ai quand même payé 10 000 guilds. Hein. Alors, c'est plutôt dans les accessoires. Hein. Talisman. Qu'est-ce que j'ai eu là? C'est pas un truc comme ça là? Ou c'est un objet? Un pulsateur? Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que vous... Mince, ah non, rien. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Je suis... Attendez. Matériel, peut-être? Accessoires? Protection? Armes? Armes, peut-être? Objet clé? Bon bah écoutez, je ne sais pas. Mais bon. J'aurais quand même pu nous le dire, ces gros abrutis du quartier général. C'est vrai qu'ils auraient pu le dire, parce que c'est quand même assez important. 3000 guilds en plus, franchement. Et puis de toute façon, des guilds, on en a... des guilds, j'en ai trop. Alors je sais pas si c'est pas là qu'il faut que j'aille, mais... M'écouter. Robot bibliothécaire. T-
Dun, 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 dun. C'est quoi le mot de passe déjà? C'est Domino, c'est le meilleur. Voici au 63e étage. Bienvenue à l'ère de rafraîchissement des employés Shinra. Ok. Et franchement, Iris, l'un de mes persos préférés, au 69e étage. Ce n'est pas un hasard. Alors, le collaborateur. Ouh, toi t'es bien habillé là, non? Non. Domino, c'est quoi déjà? Domino, enfin, faut juste dire Domino, c'est tout. Il est au 63e, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ascenseur, je suppose. Peut-être monter un peu plus encore, mais de toute façon j'ai pas le choix de monter. Mais il avait dit j'ai payé 10 000 guilds pour qu'ils me disent qu'il est au 63e et au final il est au 64e. Oh mon dieu, je suis débile. ok, c'est bon. Tu veux Barrette, cela ne nous regarde pas. Toi, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas? Domino. Bonsoir Domino. Domino. Je connais pas. C'est le nom d'une pizza ou quoi? D'accord, bon. C'est une catastrophe. Oula. Aujourd'hui sur le plateau, nous recevons M. Heidegger de la Shinra, le directeur de la sécurité publique. Oui, concernant l'horrible événement auquel nous venons de faire face, la Shinra tient à exprimer sa colère et sa peine. La compagnie ne cédera pas devant ce genre de menace terroriste. Soyez assurés.
Nous le promettons aux citoyens de Midgar. Vous avez compris? Ça aura des coups d'avalanche. Et non, vous n'avez nulle part où vous enfuir. Sans bien tout le monde ok. J'ai bien compris, mais je m'en fiche. Toi, Domino. Non. Ah, Domino. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Domino. Ok. C'est quoi ce truc? C'est un simulateur. Il permet de faire des combats dans un espace virtuel. Mais dis pas que c'était lui depuis le début. Mais quoi? Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous permettons de vous avoir aidé. C'est évident, non? Vous allez donc utiliser ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès. Ok, ok, vas-y. Bon, on va faire son combat, là. Ça peut pas être si dur que ça. Ça va ressembler au truc de Chadley. Hein. Alors, trio contre les supporters du maire. Rang 3, 0 guillemets. Facile, classique, normal. Bah, le normal, ça va être dur. Hein. Combat auquel 3 personnages peuvent participer. Cloud. Tu vas barrette. Ok. En fait, j'aurais. Voilà. Alors, il me semble que eux, c'est la foudre. La foudre. Et donc, c'est. C'est qui a la foudre? Il me semble que c'est Barrett. Non, c'est Tifa. Bon, pour l'instant, je fais un peu n'importe quoi. C'est le temps de me remettre... De me remettre à fond dedans. Ok, go. Oh là là. Mince. Qu'est-ce que... Je vais juste attendre, de toute façon. C'est bientôt fini. Voilà. Ah, vas-y. Ouf. Vas-y, à toi. Un bon coup de jus. Transcendance de Tifa, c'est parfait ça. Vas-y, transcendance. Bam. Gagne. On a tué les deux. Tin, 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 tin. Pauvre Barrett. C'était en mode facile, hein, évidemment. Parfait. On a réussi, là, non? On n'a pas réussi. Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de soucis à le faire. Avec ça, vous devriez pouvoir accéder au 64e étage. Vous pouvez même utiliser les ascenseurs. Ouais. Dites-moi. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste? Nous allons libérer une amie. Elle est retenue dans les laboratoires de la Chine. Je vois.
c'est le département du professeur Ojo. Je vous souhaite bien du courage. Seule l'équipe de chercheurs du professeur a le droit d'y accéder. On va réfléchir à un moyen. Où se trouve Ojo? C'est bientôt l'heure de la réunion des directeurs. Le président, ainsi que Ojo et les autres, devraient tous se rassembler dans la grande salle de réunion. On y va, nous aussi. Si on prend le président en otage, tout ça beaucoup plus simple, non? En effet, vous serez immédiatement mis aux arrêts. J'aimerais connaître leur projet. Tu voudrais les espionner? Dans ce cas, je te conseille d'abord de passer par les toilettes pour hommes. De là, si tu passes par le conduit d'aération, tu pourras observer la salle de réunion. C'est compris. Alors, de nouveaux programmes ont été ajoutés au simulateur de combat de Shinra. Ok. On va se diriger vers les toilettes dans ce cas. Ça doit être en bas, je pense. Non. Si. Oh. Cloud ? Cloud, c'est bien toi ? Cloud ! T'en fais pas. C'est Cloud, un collègue. Alors comme ça, t'es toujours en vie. Je m'inquiétais, tu sais. Il y en a certains qui disaient que t'étais mort. Attends, bouge pas. Je vais chercher qu'une seule et les autres. Reste là, hein. Tu le connais. Cloud, ça va? Ouais. Mais ta tête? Non, ça va. Faut qu'on y aille. On s'est fait reconnaître par nos anciens collègues. Alors, les toilettes. Mais il n'y a pas de porte. Donc c'est en haut. Je sais pas, ça me paraît bizarre que ce soit en haut parce que comme il y a cette scène qui s'est déclenchée en allant vers le bas, bah c'est-à-dire que c'est une scène bonus un peu. Bon. Ok, on a le thème de Scarlett, trop bien. Il y a un magasin. Bienvenue, que désirez-vous manger ? Objet, je veux manger des remèdes. Je veux manger des épées brutes. Oh. Si ça se trouve, il y a des bonnes armes ici, hein, je sais pas. En vrai. Oh, ça a l'air pas mal ça, non ? Il y a 4 emplacements quand même. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, et donc la prochaine fois on ira dans les toilettes pour espionner les directeurs en réunion. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était OctoLink, et à la semaine prochaine.